Yo. Shish, son, son. Donc, regardez-moi ça. Voilà, j'ai reçu ce colis. Vous savez ce que c'est parce que je l'ai montré dans la miniature. Voilà, c'est pas une surprise. Donc, bien sûr, avant de commencer la vidéo, je vais devoir vous expliquer encore et encore parce que, à ce qui paraît, je dois le répéter dans toutes les vidéos parce que tout le monde ne comprend pas. Toutes les informations sont dans la description. Et si vous regardez la vidéo attentivement, je peux parfois donner des informations. Voilà. Donc, bien évidemment, je vais d'abord ouvrir le colis. Voilà. Wow, c'est lourd. Katana de Mihawk, certes, mais ce n'est pas vraiment les mêmes dimensions que dans l'anime. Voilà, dans l'anime, c'est un peu abusé, hein, on va pas se le mytho. Voilà, donc je vous montre celui de Mihawk. Voilà, il est très stylé. Par contre, il est vraiment lourd. Donc, nous avons l'étui. Je vais l'ouvrir. Oh putain, mais... Putain. Vache! Quand je vous dis qu'il est lourd, c'est qu'il est lourd. Hein. Oh là là! Hop là! Wouh! La vache! Ok. Eh bien, nous avons. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Ah, d'accord, okay, c'est juste de la matière grasse. C'est normal. Ce que vous voyez qui brille là, sur la lame, alors je sais pas si vous pouvez voir, c'est juste de la matière grasse, hein, c'est normal, comme pour toutes les lames. Alors, même pas ça rentre dans le cadre en fait. Voilà, donc je vais me mettre ici. Voilà, elle est grande en fait. Enfin, elle est grande. En vrai, c'est juste parce que c'est pas la même dimension que les autres katanas. Mais. Je la trouve, oui, magnifiquement bien. La vache, j'arrive même pas à la tenir avec un... J'abuse pas du tout, hein. J'abuse pas. Genre, après, moi, je suis faible du poignet. Donc voilà, mais j'abuse pas. Genre, elle est vraiment lourde. Je crois qu'elle fait presque 3 kilos, un truc dans le genre. Nous avons donc les petites perles. Voilà, j'appelle ça comme ça. Petites perles, voilà. Alors, la poignée, donc normal, hein, voilà. Tu viens de chacun de masse. Vraiment, vraiment beau. En plus, c'est la lumière ici, là, je vois. Très, très beau, la lumière. Pareil, ça continue. Avec les petits graphismes. Ça donne ça. Attends. J'ai vraiment mal au bras. Voilà. Ok. 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 À la fin, je vois pas ce mytho, on dirait une machette. Il est sacrément propre. Voilà, si vous voulez savoir. On va faire une comparaison peut-être avec un autre katana. Voilà. Ça va en vrai. Ok, donc j'ai posé le katana de Mihawk parce qu'il est lourd. Vraiment. Ouh. Donc, où est-ce qu'on peut trouver cette lame? Alors, je vous mets le lien de la lame de Mihawk, du coup, Yoru. Je vous le mets dans la description, le lien. C'est sur Mangadori. Voilà, donc vous allez sur le lien. Pour ceux qui me disent que ça marche pas, parce que c'est vrai que parfois ça ne marche pas, allez sur Google. Voilà, c'est simple en fait. Bien sûr, ça ne change pas, vous avez le code de promo qui s'affiche ici. Voilà, moins 10% sur tous les produits de Mangadori. Voilà, petit code promo, moins 10%. En description, bien sûr, c'est aussi de l'acier. Je prends toutes mes lames en acier. Tout sera en description. Tout ce que je dis là à l'oral, c'est en description. Voilà, je vous le rappelle. Et donc voilà, pour tous ceux qui voulaient le katana de Mihawk, qui voulaient que je la présente, la voilà, vous êtes viscères. Et puis moi je suis content. Et nous, bah, on se dit à la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Mes fins sont nulles. Mais vous êtes habitués. Voilà, allez. Lolo no.